J'écris en pensant à tous ces moments où on se dit que si on changeait d'appart, si on changeait de ville ou de pays, ça réglerait beaucoup de problèmes. Et j'étais complètement dans cette phase-là l'année dernière, en fait, à me dire que si j'allais à l'autre bout du monde, genre tout irait vachement mieux. Et mes potes me disaient, mais non, mais ça sert à rien, mais qu'est-ce que tu crois qu'il y a pour toi à l'autre bout de l'océan, moi. Et ouais, c'est clair que c'est juste une manière de fuir la mer dans laquelle on se trouve, quoi, d'une certaine manière. Mais maintenant, c'est loin de moi tout ça. Oh,
accords les plus faciles du monde. Et à chaque fois que je joue, même si je joue trois chansons, je suis obligée de la jouer aussi. Donc je vous la fais ce soir. Real.
tard. Je vais faire une chanson que j'ai fait pour un, que j'ai composé pour un split qui va sortir avec un split que j'ai fait avec un mec qui s'appelle Dandelion Snow. C'est super cool ce qu'il fait, on dirait que c'est le fils caché de Bob Dylan. Enfin, il doit en avoir plein en fait des fils cachés, mais on dirait que c'est l'un des fils cachés de Bob Dylan. Et il fait de la guitare sur ce morceau, donc je joue toute seule, ça fait un peu que ça. Je vais essayer de faire tout ça. J'avais écrit cette chanson pour mon groupe, un groupe de punk hardcore. Je voulais pas. Enfin, je pensais que mon groupe était mort en fait, parce que mon batteur était parti loin, mon bassiste s'était fait larguer par sa meuf et mon guitariste était coincé en Thaïlande parce que c'était la révolution là-bas. Je me suis dit, quitte à avoir écrit des paroles, autant qu'elles servent à quelque chose, et du coup, j'ai fait cette chanson. Enfin, vous étonnez pas quoi. Only
Merci, c'est cool. Thank you.
soirée.